Ton petit corps est saturé de pesticides, de métaux lourds et d'autres substances chimiques toxiques. Et ce que tu voudrais, c'est te débarrasser de tout ça. Alors, essaie ça. Des patchs détoxifiants pour les pieds ? Ouais. Ok, ben écoute, je sais avec qui on va tester ça. On y va. Alors là, on va chez Marine Vigne, qui est une amie à moi et qui est animatrice télé, et qui a l'habitude de tester des trucs un peu bizarres comme ça, donc on va aller la voir tout de suite. Tiens. Bon alors, c'est quoi encore ton truc ? Alors, c'est des patchs détoxifiants pour les pieds. Alors, je t'explique, c'est basé sur la réflexologie, tu sais, chaque organe connecté à un point sous le pied. Donc en fait, si tu colles ça le soir sous tes pieds avant de te coucher, normalement, pendant la nuit, ça va absorber toutes les toxines. Et le lendemain matin, très bien, tu décolles le patch et tu dois avoir le patch tout noir, preuve que les toxines ont bien été aspirées. D'accord. Et ça, ça sert à quoi ? Alors ça, c'est Georges Buste, c'est un réflexologue des pieds de filles, donc c'est un peu un spécialiste. C'est avec lui que tu as testé le patch. Ah bah, tiens, Georges, allez hop. C'est très joli, pied Marine. Donc maintenant, je vais me coucher et je garde ça toute la nuit. Toute la nuit, puis demain, on verra si ça a fonctionné, si le patch est devenu noir, s'il a absorbé les fameuses toxines. Ok ? Allez, on y va. Georges. Bon, allez, bonne nuit, Marine. Hein. Ouais, attends deux secondes. Ouais. Victor, s'il te plaît, tu peux récupérer ça. Merci. Ouais, excuse-moi. Allez, Georges, allez. Voilà. Allez, hein? Georges, allez. À demain. Bien. À Georges, allez. Salut Victor, ouais. Écoute, je ne sais pas si ça a marché. En tout cas, le patch n'a pas bougé. Je ne l'ai pas pris sur la figure. Ah, il est encore là, lui ? Ouais, c'est un spécialiste. Tu vois ? Ah, bah apparemment ça a marché. Il est tout dégueu. Ouais, non, mais je pense qu'il y a un truc. À mon avis, il y a une autre explication. Et on va aller vérifier ça tout de suite avec une petite expérience toute simple. Bon, alors Marine, regarde. Ça, c'est le patch que tu avais sous les pieds. On va prendre un patch neuf et on va faire un petit test. Ça, c'est le patch. Je décolle. Tu vois, il est tout neuf. Je vais mettre un petit peu d'eau distillée. De l'eau distillée ? Ouais, de l'eau distillée, tu vas comprendre pourquoi après, tu vas voir. J'étale comme ça. Et maintenant, on va laisser sécher. Tu vois ? Regarde comment c'est. On laisse sécher un petit moment, d'accord ? Ça marche. Allez. Et pour patienter, nous vous proposons un petit intermède musical. On me dit que le Reiki me ferait sentir des choses et qu'avec des aimants, je vaincrais mon arthrose. On me dit détoxifiant, je ferais de vieux os et que tous les matins, je me réveillerais plus beau. Pourtant, quelqu'un m'a dit. Qu'est-ce que tu prends encore ? C'est quelqu'un qui m'a dit que ça marche à mort. Serait-ce possible, Victor ? On me dit cure de pépins assouplira tes genoux. Que si je mange rien, je maigrirai de partout. Qu'un élixir de fleurs de mon naturopathe, quelques jours, quelques heures, égayerait ta prostate. Pourtant, quelqu'un m'a dit. Qu'est-ce que tu prends encore ? C'est quelqu'un qui m'a dit que ça marche à mort. Serait-ce possible, Victor ? Alors regarde Marine, ça c'est le patch que tu avais sous les pieds. Tout à fait. Et ça c'est le patch avec le distillé. On voit bien clairement que c'est la même couleur. Comment se fait-ce ? Eh ben, en fait, il y a une explication. Alors en fait, les pieds ne jouent absolument aucun rôle dans l'élimination des déchets. En fait, l'organisme dispose de systèmes efficaces qui lui permettent d'éliminer ces déchets par l'urine, en passant via le foie, qui est vraiment en fait l'organe principal d'élimination des déchets. Alors du coup, on peut se demander comment les patchs et pourquoi les patchs ont viré au noir. En fait, tout simplement parce que dans le patch, il y a probablement un réactif, un produit qui réagit avec l'eau. Quand on met de l'eau dessus, au bout de quelques minutes, il va virer au noir. Donc en fait, c'est l'eau contenue dans la transpiration sur les pieds qui fait simplement virer le patch au noir. Donc la détox par les pieds, ben, avec des patchs, ben, on oublie, ça marche pas. C'est quelqu'un qui m'a dit que ça marche à mort. Serait-ce possible, Victor ?